Et toi, t'as porté des vêtements pour faire face à tout, hein? Oh oui, monsieur. Le chaud, le froid, la pluie, la neige, les tornades, nomme-les. Là, allez, le dépêche-toi. Mon Dieu, je pensais avoir à traîner là-bas. Ça s'est mal tenté tout d'un coup, frère? Non. Dans quoi? Ben, ça me tente pas plus, mais j'avais envie de te faire plaisir. Ok, ton film, ma blonde! Dépêcher ce matin. Allez. C'est pas bon de manger trop vite. Fais-moi pas sentir coupable. C'est vrai pareil. Bon, mais est-ce que ta valise est prête au moins? Monsieur, je relaxe et je mange lentement. Oui, madame. J'ai l'air de rien comme ça, là. Mais je suis à mon affaire. Entre, c'est ouvert! Allez. Salut. Vous êtes pas prêt? Oui, oui. Ça paraît pas trop à vous regarder de même, là. On joue ça cool. Non, c'est parce que la gang doit déjà m'attendre là-bas, là. Ah, mais on fait aussi vite qu'on peut, Steve. Puis, elle arrive à quelle heure, la grand-mère, pour venir chercher Francis? Quelle grand-mère? Il parle de Julie. Ben oui, c'est vrai. La grand-mère. Non, mais je vais aller leur conduire, finalement. Mais non, on va encore perdre du temps. Non. Regarde, moi, plutôt, on va aller leur conduire pendant que tu finis de préparer. Je vais y aller moi-même, Steve. OK. On va aller leur conduire, puis après ça, on va aller chercher tout le monde chez les Brabants. Super. T'as trouvé un minibus, finalement? Ben oui, je l'ai loué. Peux tout avoir quand on paye. Tu ris, mais c'est vrai pareil. Je ris pas. Bon, OK, on a fini, nous. Vous pouvez descendre les bagages, puis je reviens dans 2 minutes. OK? Un vrai 2 minutes, Steve. Rien dit, moi. Rien dit. Hey, let's go, Théo. On a peur, on a peur. Ouais, mais là, pas trop, là, sur l'Antiquité grecque. C'est pas un travers d'histoire. Mais non, mais c'est là que les démocraties sont nées. Ouais, mais ton chapitre sur les origines est bien trop long. En sciences politiques, là, il faut plus insister sur les réalités contemporaines. T'as raison, mais c'est tellement intéressant ce que j'ai trouvé, trippant. Est-ce que j'ai bien compris? C'est bien ma fille qui parle? Un travail scolaire trippant? Ben oui. J'ai jamais entendu ça de ta part. C'est parce qu'avant, j'avais pas un bon partner comme ça. OK, c'est grâce à toi, cette transformation extrême. Oh. Bon, pas tant que ça. Travailler de bonheur? Pas le choix, si on va avoir une bonne note. Mais là, je te reconnais plus. T'es rendu presque un nerd. Exagère pas, c'est grâce à toi. Tu m'as donné confiance. Il te manquait juste un peu de focus. Eh oui, de la constance dans l'effort. Ben. Quoi? Tu me déranges, là. Ah, OK. Bye. Bon, on était où? Je fais quoi avec ça? Ben, résume ton historique en 3 pages, pas plus. Quoi? Fait que j'écris tout ça pour rien. Jusqu'à minuit hier soir. Avoir su. T'as appris plein d'affaires. Ouais. Ça va être pas mal tough à couper. Prends ton début, là. Hello! Salut! Salut! Oui, c'est en haut, j'arrive! Salut! Salut! Wow! Quoi? Ben, méchante botte pour faire du bike. C'est-tu chamolle? Premièrement, un grand talent, on n'en fait pas de bike, nous autres? Ben, parle pour toi. Puis deuxièmement, j'ai comme changé. Allô? Salut! Hey, dites-moi pas que Steve est pas encore arrivé pour venir me chercher. Ouais, ça a bien l'air. Hein? Hey. Bonjour tout le monde. Salut, maman. Allô. Ouais, ça fait longtemps qu'on vous a vu. Oui. Ouais, ouais. Tu connais pas, nous? Non, salut, moi, c'est Suzy. Bonjour, moi, c'est Marthe. On commentera pas ta très grande absence et le fait que t'as découché 4 soirs. C'est mieux pas, non. Mais on peut dire que c'est beau, l'amour. On peut, certain. J'aimerais tellement ça baiser comme vous jusqu'à 90 ans, là. Salut, Suzy. J'ai pas encore 90 ans. Loin de là. C'est une façon de parler. Oui. C'est vous bien. Thank you. Bon, viens m'aider à descendre du stock. On met ça proche de toi, les filles. Et puis, vous de ça, OK? Let's go, mon chaval! T'as-tu eu le temps de faire la bibliographie? Quoi, c'était à moi de faire ça? Ben oui, quand on s'est divisé le travail. Oh, maudit que je t'ai en l'air. En tout cas, on n'est pas en avance sur notre échéancier. Bon. Hey, ça, c'est Ticket qui arrive. Ticket, n'importe quoi.
Hey, salut, salut. C'est quoi, c'est ton neveu? C'est charmant, non? Ah, excusez, on est un peu en retard. Ah, c'est pas grave. Ah, ça prend une tonne de stock, un bébé. Ben oui, c'est vrai. Donne, donne, donne ici. Hey, ils viennent pas s'installer ici. De le garder comme ça. C'est nous ouais. Autres que tu gardes. Ah oui. Ben, en soit temps que ça se passe un peu mieux que la dernière fois au chalet, parce qu'on n'était pas bébé bon. Hein? Non, arrêtez, il couvait une grippe, puis on savait pas. Ah, puis là, il nous connaît plus. Ah, Chagrin, es-tu voir grand-papa? Tu vas voir grand-papa? Regarde, laissez, il change à toutes les semaines. Ça, je me souviens. Ah, je vais le prendre, tiens. André, il veut un café? Oh non, merci. C'est dans là, hein? Son chum, il commence à être pas mal stressé, faut qu'on va l'assister. Pas tant que ça. Mais là, regarde, profite, là, prends des belles petites vacances. C'est pas vraiment des vacances, en fait, on va travailler, mais c'est une activité de gang, pour on va faire du sport, ça va être le fun. Ok. Ah, salut Ingrid. Que je t'avais pas vu. Salut. Ça fait un bout qu'on t'a pas vu. Sors plus. Trop de travail au cégep? Hum. Allez, on dérangera pas les étudiants modèles. Je vais avoir mon cellulaire sur moi en tout temps, s'il y a quoi que ce soit. Part en paix, là, Francis va être parfait avec nous. Mais oui. J'en doute pas une seconde. Bye, non, arrête de le catiner, tu vas faire pleurer. C'est mieux comme ça. Ben, c'est vrai, on y va. Merci oui. Encore. Oui, OK, allez, allez. Bye, bonne chance. Viens-t'en, mon grand, viens-t'en avec grand-papa. Tu t'es pas trop forcé pour l'accueil? Vous m'avez pas demandé mon avis avant de dire oui pour le garder. Toi, quand t'es de mauvaise foi comme ça, là... Zachary? Allô? Écoute, t'avais oublié ton panier de pique-nique chez moi. J'ai pensé te le rapporter. Merci, mais ça pressait pas tant que ça. Entre. Non, c'est juste au cas où quelqu'un de ta famille en aurait besoin. Prendrais-tu un café? Allez, dis oui. Ah, OK. OK, mais... Ah. Ça fait à peine 2 heures que t'es parti, puis je m'ennuie déjà sans bon sens. C'est-tu quoi? Moi aussi. T'as compris que le panier de pique-nique, c'est un prétexte. Mais ça donne bien, je suis toute seule. Étienne est parti en fin de semaine chez Rachel. Tout le monde est parti. Je te garde avec moi. Je demande pas mieux. Toute la journée, si tu veux. La maison est à nous. Ah ben, je sais pas trop, là, qu'est-ce qu'on va faire, ici. la même chose que chez toi. Tout le week-end, si ça te dit. Oh! T'es certaine? Non, parce que j'ai l'air de m'inviter, ça me gêne un peu. Ah oui, toi, ça gêné? Oh boy! Oh boy, oui, non. Pas tant que ça. Hé, hey, maudite bonne idée que j'ai eu de rapporter le panier. J'aurais manqué tout ça. Oh. À force d'explorer, l'atmosphère sort et chaud. Je suis jamais trop là. Hey, c'est hot, hein? Oh, pire, hein? Oh, pire, tu me dis, check le chat. Oh, c'est vrai que c'est magnifique. Oh, je l'avais dit qu'on aurait du fun. Bon, ouais, on met de la troc, là. C'est qui est primé, ton chum Olivier, tout le 220 de mètres. Il est content d'être là. On va pas y reprocher d'être enthousiaste, quand même. Bon, OK, on débarque les affaires, puis on s'installe vite fait, OK? Ouais, ouais, mon capitaine. Merci. Hey, il y a combien de chambres? 4. Ah, c'est bon. Ouais, puis t'as réparti ça comment, là? Victoria, puis moi, 1. Alicia, Olivier, 2. Théo, puis Geoff, 3. Puis la dernière pour toi, Suzy. Donne. Ça va bouger, hein, ce tour-là, Théo? Ah oui, puis on va prendre une bouchée avant de se rendre sur le site parce qu'on n'aura pas le temps de luncher là-bas. Ah ouais, on va manger quoi? On a seulement prévu le souper puis le déjeuner demain matin. Mais non, c'est pas pensé à tout. Des paniers pour une armée, des crédités, des jus. Ça va pas de faire. Yeah! Ah, oh, shit, devant mes boots! Exit les bottes de voyage! Non, mais c'est parce que ça m'a coûté la peau des fesses. Ouais, mais je t'avais averti aussi. C'est quoi ce mot-là? Panthéon. Excuse-moi, j'écris tellement mal. La prochaine fois, tu devrais prendre tes notes directement à l'ordi, ça va être moins long. Mm. Ingrid, me rendrais-tu un petit service? Ouais. C'est parce que je m'aperçois qu'il me manque des affaires pour Francis. Là. Ferais-tu une course à l'épicerie? J'ai fait une liste. On demande à Brian, moi. Il est pas revenu du golf. Puis Fred, lui, est au camping, fait qu'il s'en sauve. Ça tombe toujours sur moi. Mais non, c'est une activité obligatoire de son école. Ouais, ouais. Là, franchement, ça va te prendre 10 minutes en auto. Puis ben, lui? Ton père est en train d'endormir Francis, puis moi, je suis en pleine corvée de tarte. C'est parce que moi aussi, je suis dans le jus, là. Okay, c'est beau, laisse faire, je mange. Ah, pas une heure, mange. Ingrid, c'est parce qu'il faudrait finir par en venir à bout, là. Ah, excuse-moi de raison.
ce mot-là? Je sais pas, là, j'arrive même pas à me lire moi-même. C'est la première fois que je viens dans la cour arrière, hein. C'est beau. Oui. C'est toi qui t'occupes des fleurs. Pas vraiment, c'est plutôt Étienne. Ah oui? Oui. Ah, il a tous les talents, lui. Presque. En tout cas, tu peux être fier. T'as un maudit bon gars. Il est généreux avec moi. Ah ouais, mais avec tout le monde. Toi aussi, t'es un bon gars. Oui, c'est vrai. Même si c'est pas aussi facile. Comment ça? Ah, il se laisse pas approcher facilement, le William. Trop indépendant. Tu t'y prends peut-être pas de la bonne manière. Peut-être pas, non. Non, c'est vrai. J'ai mes torts là-dedans. Un peu trop autoritaire, je pense. Mmh. La fenêtre de ta chambre, elle donne sur le jardin ici? Oui, en haut, à gauche, là. Hé, je pense que ce serait le temps que j'aille visiter ça. Zachary. Non, c'est vrai, ça m'intéresse. Je sais pas, moi, la décoration. Tu vas détester ça. Il y a des fleurs partout, là. C'est une vraie bonbonnière. Je suis curieux, pareil. Oui, oui, oui. Puis, je vais en profiter. On est tout seul. Mmh. Mmh. Tu me fais à l'aise, je trouve. C'est toi-même qui as dit qu'on ferait ici exactement ce qu'on faisait chez nous. Non, 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 regarde, de toute façon, j'arrive avec la gang, là. OK, OK, bye. OK, tout le monde. Oh, non, non, non. Steve, fais un autre speech. Ah, regarde, c'est juste pour être sûr que tout est clair. Gang, Steve veut savoir si vous avez bien compris ce que vous avez à faire. Oui, Steve. Théo, Suzy, c'est clair, vous autres aussi? Ouais, Steve! On peut bien rire, l'autre. Je pense que Steve, il veut juste prouver à Victoria que je suis rien qu'un gros lâche. Tu me connais pas, là. Je suis vraiment opérationnel, là. Ça fait peur. Ah, ouais? Tu me crois pas? Je suis la seule fille qui 5 francs à peine des principes, t'es heureux de me suivre. Je vais être ton nom. Quand je mets mon moteur, là, je perds en tabarnak. Ah oui! Olivier, ben oui, j'ai complètement oublié de te dire. Ça marche pour la descente en vélo. Ouais, nice! Mais t'as-tu tout ce qu'il te faut, par exemple? Oh, ouais, j'ai mes vêtements, mes protections, okay. Mes shoes, j'ai tout. Ah, tu vas taper, mon gars. OK, on y va, tout le monde? Oui. OK, let's go. Hey, Alicia, elle est où? Ah, je l'ai vu partir vers sa chambre. Hey, let's go, tout le monde, c'est l'heure, là-bas. OK, ben go, allez-y, je vais la chercher. Tu vas pour la descente? Ben non, mais t'as pas un... Alicia! Oui? Qu'est-ce que tu fais? Je cherche mon bandage élastique pour ma cheville. Non, faut y aller, là, go! Non, j'en ai vraiment besoin, là. Je t'avais mis dans la trousse de premier soin. Hein, où donc? La petite boîte en plastique blanche, mm-hmm. J'ai laissé à la maison. Ah, comment ça? Mais Steve en a une, moi, je pensais que... C'est pas vrai, là. Je savais pas, moi, que t'avais mis ça là-dedans. Là. Tant pis, go, faut y aller. Non, j'en ai vraiment besoin. Ben, on l'a pas, là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ah oui. Oh, bien doré, pas trop bravo. Ma belle Julie, t'es extraordinaire. On s'auto-congratule. Pourquoi pas? Tu trouves pas qu'il allait réveiller? Cours l'inscrire à l'université. Non, mais c'est vrai, je trouve qu'il y a le sens d'observation à ça aussi. Un petit génie, je te le dis. Ben oui. Hello, tout le monde. Allez. Ton golf est déjà fini? Ouais, juste fait un 9-3. Ouais, petite nature. Il y a trop de monde le samedi. Oh, ça sent bon, ça. Mmh. Tu touches pas à ça avant le dîner. Tiens, essuie de la vaisselle à la place. Tenez-vous bien, je vais en prendre une bonne. Quoi? Les amours de grand-père avec Marc progressent beaucoup, il paraît. Comment ça? Ah ben, ces vieux chums au golf tantôt se plaignaient qu'il voyait presque plus. Bon, ça veut rien dire, ça. Ben, il paraît qu'il serait avec elle, enfermé dans sa maison depuis des jours. Bon, ça va vite, leurs affaires. Ah ben, je vais aller vérifier sur place cet après-midi. Non, tu mets pas ton nez là-dedans, là. Non, subtilement, la petite visite éclair. Hey, tu laisses ton grand-père vivre sa vie comme il veut. Ça vous fait pas drôle, vous autres? Zachary, amoureux? Tant mieux pour lui. Hein? Ça va sûrement le rendre plus facile à vivre, il paraît que l'amour rend meilleur. Mm. Come on, laissez-moi juste l'appeler pour m'annoncer. Ça va être drôle, on va voir sa réaction. Hey, non, Brian, tu fais pas ça. Alors, ton sandwich est au jambon fromage laitue. Mon Dieu, que tu me gâtes. Si je veux que tu viennes plus souvent. Mais j'ai pas osé pour la luzerne, non? Je l'ai toute gardée pour moi. Comment ça bien me connaître? Oh, je te transformerai pas en végétarien, en tout cas, pas tout de suite. Ah, excuse-moi, je pensais l'avoir fermé. Je vais te laisser. Non, reste. Oui, allô? Salut, grand-père, c'est Brian. Écoute, j'ai essayé de te rejoindre chez vous, mais sans succès. T'es au golf? Non. Ben, t'es où? C'est pas bien mettre tes affaires de mon petit curieux. Excuse. non, mais la famille ici, on voudrait t'inviter à la maison. Écoute, c'est parce que je suis pas tellement disponible cette fin de semaine-ci. Je suis avec... Marthe Brabant. Non, mais en fait, c'est parce qu'on aurait une petite surprise pour toi. Une surprise? Oui. Ouais, ben, maman voudrait t'en parler, là. Ça passe.
Oui, bonjour, Zachary. Oui, allô, Julie. En fait, c'est un peu l'idée de tout le monde ici, là. C'est que Francis est avec nous autres aujourd'hui, puis on aimerait beaucoup ça vous le présenter. Francis? Oui. Alors, si ça vous tente de passer, ça nous ferait vraiment plaisir. Oh, je sais pas trop, là. De toute façon, on est là toute la journée, hein? Vous pouvez passer quand ça vous conviendra. OK, je vais y penser. Merci pour l'invitation. OK. Ça nous ferait vraiment plaisir. OK, bye. Bye. Est-ce que je viens de faire une folie, rassurez-moi? Ben non. Si Victoria est pas au courant? Tout le monde veut que la paire vienne. Ouais, t'as qu'à ça. C'est très, très généreux de ta part. J'apprécie beaucoup, beaucoup ton geste. Hein? Il est d'accord. J'ai bien compris. Tu vas faire la connaissance d'un autre Harrison? Ça se pourrait. Ton arrière-petit-fils, c'est merveilleux. Tu le penses aussi? Oui. Oh. Cette position-là quand t'étais bébé. Oui. You're cute. Je savais que tu pouvais pas être aussi insensible que tu le sais. Qui peut lui résister? Ingrid, l'as-tu trouvé? Faut que j'y aille voir aller terminer le travail à bébé. C'est la beauté qui se promène, l'aventure humaine. En paix de peur, en vain, en pleurs, mourir quelquefois. Heureux, tranquille, longtemps, ensemble, vivre tout à la fois. À la instant, une étincelle. Si la trajectoire éphémère est à la fois cruelle et belle, c'est l'essence de tout ce qu'on aime, l'aventure humaine. Non, attends, c'est à toi dans le salon. Je peux pas croire que ça recommence. Ça m'a pris des semaines à me remettre de ma cassure. Ben là, c'est seulement une fouleur. Merci d'être venu me reconduire.
Mais tu peux plus rester. Et puis c'est merci à l'employé de Steve, hein? Il nous a donné un lift. Olivier, c'est sûr que je me plains pour rien. T'as vu, il n'a même pas voulu venir me reconduire. Ouais, mais il veut rien manquer. C'est lui qui avait le plus le goût de venir. Ouais. Moi, celle qui en avait le moins envie. Ah ouais? Oh, je suis un peu sauvage. Je sais pas que c'est une qualité, mais je suis comme ça. Ben, je te trouve bien correct, moi. Et puis si on aimait tous les mêmes affaires, ça serait de la maudit. Ben, merci de dédramatiser tout ça. Ben, y a rien de dramatique non plus. Voilà. T'as pas vu la baboune qu'Olivier m'a faite quand je suis partie? Il va être de bonne humeur tantôt. Peut-être pas moi. Tu veux-tu boire quelque chose? Ah, oh, juste un verre d'eau. Tu veux pas prendre une bière avec moi? Non, non, je peux pas. Ah, c'est vrai, j'oubliais. Mais tu sais, tu peux y aller, là. Je vais être correct. Non, non, je reste avec toi. J'ai déjà averti Steve que... je revenais pas. Mais là, je suis mal à l'aise. Non, non, sois pas mal. Je t'ai tanné, de toute façon. C'est bon, j'y vais! J'arrive à un bon moment. Je vous amène une surprise, moi aussi. Bonjour, William. Allô, rentrez. Zacharie a beaucoup insisté pour que je vienne avec lui. C'est une très bonne idée, tu vois. Allez. Allez, grand-père. Allô. Bonjour, Brian. Tu connais pas? Oui, ben un peu. Là. J'en ai surtout beaucoup entendu parler. Ouais. Quoi? Alors, on peut faire semblant que c'est pas une grosse nouvelle. Mais là, mais pas tout le monde mal à l'aise. Ah non, mais ça va pour moi. Pour moi avec. Je suis tellement content de ça. C'est beau de vous voir. Merci. Même nous, on a de la misère à le croire. Donc, c'est pas surprenant que ça puisse vous étonner, vous autres aussi. Mon grand-père Mathieu, je pensais jamais voir ça. Ah, même les vieux grincheux peuvent tomber amoureux. Ah, ça, c'est un bon point. Hey, moi, je vais aller aider Julie. Elle est en train de changer le bébé pour le mettre beau. Fais ça vite. Okay. Ben, soyez-vous. Pas pire, non, ouais, hein? Moi, j'ai trippé comme un fou, là. Je suis en trip de malade. Hey, je ferais jamais ça. J'aurais bien trop peur de me casser quelque chose. Non, mais tu penses pas à ça quand tu fais la descente, là. Non, j'arrêterai pas d'y penser, justement. Hey, la prochaine fois, j'essaye. Ouais, mais il va te savoir une prochaine fois. Ah, faut voir. Hey, merci, Steve. Sérieux, là. Ah, ouais, c'est vraiment cool. Ça fait plaisir, les boys. Bon, ben, on fait quoi? Ah, on aide pour ranger, puis on retourne au chalet. Journée finie. Oups. Oui, bien sûr. J'ai faim. J'ai soif. Hey, on peut-tu arrêter de chercher quelques bouteilles de vin? Oh, on en a déjà 3-4 au moins. Ouais, mais c'est parce que j'aimerais ça pas manquer. On peut arrêter en chemin. Ah oui? Il est où, Jeff, hein? Il est parti avec ta blonde. Ah, oh, je sais, mais il est pas venu. Non. Elle s'est blessée, hein? Oh, ouais, ça a l'air, là. T'es compatissant, maudit, toi. Oh, je vais aller me changer vite, je vais venir me donner un coup de main après. On va être au truck là-bas. Hey, good! All right, un dernier petit cœur. Voilà. Merci. Arrête de poser des questions. Là. T'es trop fouine. Non, mais je veux juste tout savoir. C'est votre histoire, c'est tout. Oh. C'est notre petit trésor endormi. Oh mon Dieu, il est encore plus beau que sur les photos que Fred m'avait apportées. Voulez-vous le prendre? Je peux? Mais oui. Ouais, c'est un énorme plaisir. Qu'est-ce que tu me fais? Toi, j'espère que tu le sais. Je le vois. Je peux le prendre? Ben, attends. Mais... Oui, mon beau petit mignon. Oui, t'es pas trop intimidé? T'es pas intimidé du tout, hein? Oh non. Il fait de l'eau. Oui. Je suis ton arrière-grand-père.
Je me sens que j'ai perdu le tour, non? Hello. Hello, Harrison. Le dernier de la lignée. Ah, mais pour l'instant. Es-tu en train de nous annoncer quelque chose? Oh non, 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 non. Faudrait d'abord que je me trouve une blonde sérieuse. Et costaud, comme toi. Bon sang ne saurait mentir. Et de tout, mon petit Francis. Je vais te prendre dans mes bras. Fais ton petit toutou. Et minou. Merci. À vous qu'on tire en tabarnak. Oh, OK, j'avoue que vous avez peut-être mal jugé, toi pis Théo. Non, mais on a-tu été assez efficace, hein? Pas mal, ouais. Le meilleur team. Meilleur team. Tu vois, grâce à moi, t'es complètement réhabilité, là, aux yeux de Steve. Ben, écoute-donc, toi, t'as l'air de penser que j'avais une mauvaise opinion. C'est pas le cas. Non, 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 recommencez pas, vous deux. Oh, on se chicane pas, je suis même en train de se faire des compliments. Ouais. OK, bon, là, tout le monde, vous avez vraiment été à la hauteur. Merci beaucoup. Yeah! Ouais. Sauf moi, je suis vraiment désolée. Ben voyons. Ben là, c'est toujours bien pas de ta faute si tu t'es blessé. Oui, puis en plus, t'as pas raison, t'étais dans le gros rush des inscriptions. Ben oui. Ouais, fait qu'arrête de te sentir mal de même. Mm. Bon. J'ai deux, trois idées de comment tu pourrais me remercier. Ah, Suzy, comment? Garde ton petite gêne. Et le jour qu'ils ont distribué la gêne, moi, j'ai collé malade. Ouais, c'était cool. Hein? C'est combien de temps de cuisson, la tagine? 45 minutes, une heure, je pense. Alors, faut plus que penser, là, faut être sûr. Vous de la recette à ce frigo. Alors, regarde. Ça va t'achever? Ouais, tant que je marche pas dessus, ça va. T'as dû trouver le temps long cet après-midi. Ben, je me suis fait battre aux cartes par Geoff, hein? Oh! Ouais, beginner's luck. Ben, t'en as gagné une coupe quand même, hein? Oh oui. Hé, non, non, tu t'empiffes pas dans les chips, t'auras le fait pour le poulet, Théo. Inquiète-toi pas pour moi. Théo, il a jamais de bout dans rien. Une fille se plaint pas, hein, remarque? Oh, j'avais été oublié. C'est mignon. Il est qui, ça? Ouais, c'était du bébé. J'étais Francis. Est-ce que tu penses mourir d'un seul coup parce qu'on est trop heureux? J'espère bien que non. C'est à qui, ça? Oh, je te trouve incroyable! Je lève mon verre à tout le monde. Oh, hey. Oh, 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 oh! Santé! Santé! Santé. Hey. Santé. Yeah! À bon moment! Hey. Hey. Et... Oh! C'est ça, j'ai quand même pris quelques petites notes pour la prochaine fois, juste question de s'améliorer. Est-ce que je vous les donne maintenant? Quoi? Non! Non! Je veux savoir, moi! Ah ouais? Quoi? Non! Non. Non! Hey, tout le temps la même chose! Fais-le, puis après ça, je demande à qui? OK, je demande à qui? Mais je te... OK, à toi! T'es là! J'aimerais lever mon verre à Steve. Mmh! Oui. À Steve! Quoi? Se l'ai parlé. Oh, pardon. Steve, merci de nous avoir aidés. Tu nous connaissais pas beaucoup, mais tu nous as fait confiance. Bon, merci, Steve! Merci. À Steve! À Steve! Steve! T'as-tu faim? Toujours faim. Déjà debout, vous deux. Fred dispo en plus. Hey, bien dormi. C'est une joke, cette question. Mais quoi?
Vous m'avez tenu réveillé une bonne partie de la nuit. Oups! Oups, certain. Qu'est-ce que je t'avais dit? Et là, je me disais que la chambre la plus éloignée, c'était correct. Ben, tu t'es trompé. Les murs sont faits en carton, ici. Oh! Olivier a l'air de mauvais poil ce matin. Olivier a presque pas fermé l'œil de la nuit, OK? Comment ça? Là, tu me feras pas à croire que t'as rien entendu, là. Entendu quoi? Non, j'ai dormi comme une bûche. Et puis moi, je mets des bouchons, fait que... Suzy pis Théo, là, les temps qu'on sort. OK, là. On peut s'en revenir, on va pas passer de l'avant-midi là-dessus. Ben, ça sent bon. Ouais. Bacon, omelette, café, fruits frais, remercie-nous pas à genoux, ça me fait plaisir. Suzy. Veux-tu un jus d'orange? Oui, s'il te plaît. C'est bien à moins des choses que la nuit tu nous as fait passer. Bon, encore grognon, toi. Pis, t'as achevé? Oh, ça va être correct. Hé, hey, j'ai jamais trouvé le pain. Ah, je l'ai mis dans le frigidaire. J'espère que vous avez faim, là. Hé, hey, non, on dirait que je suis encore en train de gérer la tâche. Oh. Du café, tout le monde? Oui! Non. Ben, j'ai eu une idée cette nuit. Je vais y ouvrir un compte d'épargne pour ses études universitaires. Mon petit Francis, tu prends d'avance? Ben, tant que je suis encore vivant, on va y faire comme un petit héritage. Il faudrait peut-être que t'en parles à sa mère avant. Ah non, elle peut pas être contre ça, voyons. Mais tu m'as dit qu'elle voulait rien savoir de ton argent. Ah, mais ça, c'était avant. Avant quoi? Avant qu'on se réconcilie. Ah! Tu t'es excusé auprès de Victoria? Non. Pourquoi je ferais ça? Les menaces de poursuite là, que tu m'as racontées, les tests d'ADN? Non, je pense plus à ça depuis longtemps. Mais lui as-tu dit? Ben non. Ça serait bien que tu clarifies tout ça avant de faire des plans pour le bébé, non? Seigneur, je pars encore en peur, moi, là. Hein? Un peu, oui. On va mettre ça sur le compte de l'enthousiasme. Non, c'est un des défauts que j'ai. Je vais toujours aller trop vite. Tu veux d'autres cafés? Non, faut que je pense à y aller, là, moi, là. Y a pas de presse. Ah, mais ta famille, ils vont venir, là. Oui, puis? Ben, c'est un peu gênant pour moi, c'est aller avec toi. Je les attends pas avant la fin de la journée. Ben, de toute façon, j'ai une partie de poker de prévu. Quoi? Pourquoi? C'est ça! Monsieur a ses habitudes qu'il ne veut pas changer. OK, d'accord, je vais prendre l'autre tasse de café avec toi. Non. Tu fais quoi demain? Demain, je travaille. Ça glisse, ça? Oh, oui! Gros appétit, mon amour! Salut! Salut! Qu'est-ce que tu fais là? Mais tu vas bien? Je m'occupe de mon neveu glouton. T'es-tu prête? Non. J'ai offert aux parents de les laisser dormir, puis de m'occuper de Francis. Tu disais que tu voulais rien savoir de lui. T'as changé d'idée? Puis nos documents à photocopier fait à monter. Je pensais que tu pouvais peut-être t'en occuper. Ben, tout seul? Ouais. Hey, c'est vraiment pas cool. Je vais m'occuper de tout le reste, Vince. Et quel reste? Regarde, laisse faire de bord. S'il te plaît! Oh! Il est toujours de même, ton chum? C'est de ma faute, là. Oh oui! Des biscuits! Ça a qu'un pas pourri, ces études? La meilleure potère aussi. Il va apprendre à se détendre. Et toi, te mêler de tes affaires. Hein? Vas-tu gars, mon oncle? Oui, Francis. Vas-tu gars, mon oncle? Oui. Ouais, hein, c'est pas mal enflé. Ouais, vous trouvez, hein? Pourquoi t'es pas allée à la clinique à Bromont? Ouais, puis passer ma journée à attendre là-bas, non merci. C'est pas raisonnable, ça. Je voulais aller voir un médecin de la compétition, mais il y a un des participants qui venait de faire une grosse fouille. Fait que j'ai laissé faire. Bon, ben, je vais te faire un bandage, là, en attendant que tu fasses voir ça. Ah, ouais, ça va m'aider s'il y a quelque chose de classique. Oui, allez, Oli, va chercher un pansement élastique dans la salle de bain, s'il te plaît. Elle est pas recassée, quand même? Hein? Comment ça? Recassé? Ah, je me suis cassé la cheville l'année passée, là, bêtement. Ah, non, c'est pas cassé, mais bien foulé, par exemple, pauvre cocotte, tu dois souffrir le martyr.
Oh, ça m'élance un peu. Oui. Hey, allez, 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 vas-y, s'il te plaît. J'en avais mieux dans trousse de premiers soins. Ouais, dans la salle de bain, je reviens tout de suite. Oui, il faut que tu ailles montrer ça à un docteur aujourd'hui, non? Oui, sûrement. Parce que ce genre de blessure-là, il faut pas négliger ça parce que ça peut s'envenimer. Ouais. Quand est-ce que c'est arrivé? Hier après-midi. Ah, une chance qu'on était avec toi. Oui, une chance. Bon, alors, je vais te mettre ça temporairement. OK. Tiens. Ah, merci. Qu'est-ce qui se passe? Ah, je balance pas. Je comprends pas, c'est la première fois que ça m'arrive. De combien? 200 piastres. T'es sûr? Non, là, ça fait trois fois que je recommence. Oh, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct, là? Je peux t'aider à quelque chose? Ah, non, non, non. Non, merci, mais... Oh, ça, c'est mon petit loup. Allô, tiens, prends-le, je vais aller chercher le reste des trucs. Oh, non, 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 attendez. Steve? Ah, oh, oui, excuse. Allô. Madame Harrison, je vous présente Steve Tremblay, mon chum. Enchanté. Un peu moi aussi. Vous êtes stationné en bas? Oui, j'ai été chanceuse juste devant la porte. OK, merci beaucoup. Salut, toi. Ah, ben, salut. Je suis contente qu'on soit toute seule quelques minutes, Victoria, parce que j'ai quelque chose à te dire. Ah oui? Ben, entrez, entrez. Oui. Assoyez-vous. J'ai pris une initiative sans te prévenir. J'ai présenté Francis à son arrière-grand-père. À Zachary? Oui. Ben oui, mais vous saviez que... Je sais, j'ai agi spontanément, là, sans trop réfléchir. C'est parce que Zachary et moi, ça fait des mois qu'on est en chicane. Puis là, c'est revenu. Puis je voulais que tout soit réparé. Avec moi, il a été infect. Il a voulu m'acheter. Il m'a presque menacé. Mais il était tellement heureux quand il l'a pris dans ses bras. Tu m'en veux, hein? Ben, disons que j'aurais préféré pas être mise devant le fait accompli. Je suis désolée, Victoria. J'en prends toute la responsabilité. Ben, je vous remercie de vous être occupée de Francis. Mais là, je sens que... On reparlera de tout ça. OK. Hey. Merci. Ça va? Oui, oui. Eh bien, pardon, t'as l'air en maudit. Je te raconterai. Je vais aller le changer, là, il vient de me faire un cadeau. Ouh. On va aller changer ta couche, toi. Tu t'es même pas occupé de moi, pas du tout. Là, on avait chacun nos tâches. C'est quoi, t'aurais voulu que je reste à côté de toi, te tenir la main pendant toute la compétition, franchement? Mais t'es tellement de mauvaise foi. Puis toi, t'es tellement bébé gâté, là. Je te parle pas pendant les cours, je te parle du reste du temps au chalet. Hey, tu m'as quasiment pas adressé la parole. J'ai trouvé ça plate que tu partes en plein milieu de la journée. Hey, je me suis fait de mal. Ouais, ben moi, sur le coup, là, je trouvais que t'exagérais. Oh, parce que toi, tu le sais comment je me sens, hein? Je suis désolée pour ça, c'était pas fort, j'en conviens. Genre que Geoffroy était là, lui, pour s'occuper de moi. Hey, je viens de te dire que j'avais pas réalisé que t'avais mal à ce point-là. Tu voulais surtout pas rater ton après-midi de sport, c'est ça la réalité. Puis tu sais quoi, c'est la dernière fois que je me force pour te faire plaisir. Maudite belle résolution, ça. Je peux pas croire que j'ai manqué ça. Grand-papa pis sa blonde. Ils sont tellement cute ensemble. Mm. Bon, pour le temps que ça va durer. Pourquoi tu dis ça? Ben, parce que je pense qu'avec le temps, grand-papa est devenu un vieux célibataire. Comme toi? Ah non, mais c'est vrai, c'est un loup solitaire. Je crois pas, moi. On verra bien. T'es tellement plate. C'est un homme habitué de mener sa barque tout seul. Ça va y tomber ses nerfs à long. De toute façon, la petite vie de couple, ça va vite l'ennuyer. C'est ça que tu penses de l'amour? Non, mais pour lui, oui. Pas étonnant que tu sois tout seul, hein? Ah ben, vous sauriez me le dire. Hein, ton boss te colle? C'est donc pas un imbécile. J'y aille, moi. Où ça? Cégep. Un dimanche. Oui, je vais aller rejoindre Vince, là. Faut absolument finir notre travail. Ah, qu'est-ce que je disais? Ton boss te siffle, toi, t'as cours. Arrête donc. Ta soeur est plus studieuse. Tu devrais la féliciter. Bye. Bye. Ben, des bien meilleures notes. C'est une note à elle ou celle de Vincent? Oh!
Hey, va te prendre un kamikaze blue. Hey, t'en veux-tu un? C'est moi qui invite. OK. Deux kamikazes blue. C'est quoi l'idée d'arrêter ici, donc? C'est sa place à mon pocheur. Ah. Pis, as-tu aimé ta fin de semaine? Mais hein, belle et payante. Comment ça? Ben, je me suis dit que le gros mouton de cash qui s'est fait en fin de semaine, un petit 200$, ça paraîtrait pas. Merci. T'as rien, garde le change. Tu me niaises, là? Quoi? T'as volé Steve? Non. Voler, c'est un grand mot, là. Hey, je travaille comme une crise de débile, là. Suzy, je peux pas croire que t'as fait ça. À moi, t'in. T'as pas volé Steve? Laisse faire. Mm. Le mon gars. Non, mais ça n'a pas été aussi idyllique pour moi. Comment ça? Samuel, son fils, il... vraiment pas facile, là. Je pense qu'il m'aime pas. Ben voyons, tout le monde. Je te sens tellement pas objectif quand tu dis ça, là. Hey, Alicia, laisse-moi t'aider. Non, c'est correct. Et Ali, lui? Je sais pas. Moi, je m'en vais, en tout cas. Olivier! Ouais. Descends donc, là. Non, c'est pas nécessaire. Ben non, mais il va aller te reconduire, au moins. Ben oui, Alicia, tu peux pas t'en aller comme ça. Oh, j'ai appelé mon père, il s'en vient, là. Je vais aller l'attendre dehors. Ben voyons. Il va être là dans 2 minutes. Bonne fin de journée. Bye. Bye. T'es parti, là? Ben. Elle, des fois, là... Ouais, mais ça tourne pas rond chez les vrais en fin de semaine, là. Chez les hommes, peut-être, mais du côté féminin, c'est le bonheur total. Le bonheur total. Il y a aucune preuve que c'est un vol. C'est ça que je lui ai dit. Mais j'en reviens pas. Pour qui tu prends, ton chum? Tu sais ce qui peut arriver, hein, si t'es en défaut de paiement? Oh oui. Moi, je deviendrais le seul propriétaire. Écoute, mon jeune, si t'as d'influence sur ta mère, essaie de la convaincre de changer de comportement. Sinon, tu vas être obligé d'aller lui parler derrière des barreaux. Début aujourd'hui du procès fort attendu de Bruno Simard, le propriétaire... Je vais arrêter de te mettre de la pression. Je vais prendre ce que tu me donnes, c'est tout. Il faut que je te dise quelque chose. Toute la vérité, ce lundi 21h à TVA. Une présentation des courtiers Remax et de NutriCap. On a un problème. Devine qui vient dîner. Ma mère est un enfer. C'est pas évident. Je l'aime tellement. Admettons que vous décidiez de vous marier. Dr House, ce mardi 20h à TVA. Une présentation de Déco Surface.